Acha avait une passion pour la cuisine. Malheureusement, on ne pouvait pas dire qu'elle avait un bon niveau. Ses plats étaient tout simplement passables. Mais pourtant, quand Acha a vu que cette ancienne pâtisserie était à vendre, elle a sauté le pas. Et oui, elle l'a donc achetée. Malgré les grosses rénovations à faire, Acha n'a pas peur et est prête pour se lancer dans ce projet. Hello hello, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau mini let's play. Mini let's play, je dis bien parce qu'il y en a déjà trois en cours sur la chaîne. Et aujourd'hui, nous allons découvrir le nouveau kit d'objets qui est sorti, Passion Cuisine. Pour cela, je vous ai préparé toute une petite histoire. Je vous ai fait une construction. La vidéo est déjà sortie hier. Je vous ai créé une petite sims. Et du coup, on va découvrir ça ensemble. Faites pas attention à ma tête. J'ai peu dormi cette nuit. Et il est exactement 21h38 à l'heure où je filme. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez C'est ça la vie de maman. Hein donc, on va passer en jeu. Donc, comme vous l'avez vu on se retrouve dans une petite maison enfin je sais pas si vous avez vu la vidéo qui est sortie hier mais du coup on a construit, enfin j'ai construit cette petite bâtisse et c'est là que nous allons passer clairement la majorité de notre temps. Ici en bas nous avons le côté pâtisserie, du coup comme vous voyez il y a beaucoup de choses à faire. Déjà il va falloir qu'on nettoie un minimum la cuisine avant de commencer à cuisiner. Hein. Et comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de choses qui ont besoin d'être mis à neuf. Et on va passer beaucoup de temps ici parce que en haut à l'étage, nous avons l'appartement de achat qui est la petite Sims qui est là. Et elle a déjà posé ses petites valises, mais voilà, elle vient d'arriver quoi. Elle elle est heureuse, apparemment ça lui plaît décorer, d'accord, bah, ça lui plaît, voilà. Elle est dans son élément, elle est dans la cuisine, forcément ça lui plaît. Alors Asha, faut savoir que elle est très heureuse d'avoir pu acheter cette bâtisse. Elle va pouvoir ici, elle espère créer son business, donc forcément elle est contente et euh, voilà, c'est vraiment son rêve même si pour l'instant ça ressemble pas vraiment à un rêve mais elle est contente voilà elle fait le tour elle se dit oulala va falloir nettoyer tout ça <laughs> du coup la première chose qu'on va faire c'est que pour l'instant j'ai rien installé donc va falloir qu'on achète un four faut qu'on achète tout le nécessaire pour qu'on puisse cuisiner donc forcément ce qui vient avec le nouveau pack et on va de suite et on va de suite aller dans le créer un sims pour voir si je peux lui rajouter des nouveaux vêtements ou des accessoires qui viennent avec ce pack justement mmh. donc voilà pour le moment son style pareil je voulais présenter dans la dernière vidéo donc déjà première chose que j'ai vu c'est qu'il y avait une Nouvelle aspiration. Donc je pense qu'on va en prendre une des deux. As des appareils. Cette sim manie parfaitement les petits appareils de cuisine. Très bien. Et c'est quoi l'autre? Mania du marché. Cette sim veut avoir le stand de nourriture le plus rentable. Bah oui, je pense, clairement. Clairement. Est-ce qu'on a un nouveau trait ou pas oh, du tout? Donc pour l'instant, je l'ai mis créative, gourmande et bienveillante, mais je voulais voir s'il y avait un nouveau trait qui venait ou pas. Non. D'accord, donc pour l'instant je vais rester sur ça. Et au niveau des tenues, qu'est-ce qu'on va avoir Déjà j'ai vu qu'il y avait un nouveau tatouage, malheureusement. On a déjà plein de tatouages. Et en plus je ne trouve pas forcément très très beau, hein. on ne va pas se le cacher. Il est où le nouveau tatouage qui vient avec ce kit Voilà, c'est celui-là. Euh, comment vous dire que je ne suis pas hyper fan, quoi. Je préfère ce qu'elle a déjà de base. On va pas se le cacher. Alors j'aimerais qu'on ait une petite tenue de travail, donc on va peut-être s'en rajouter une pour voir les nouveaux trucs qu'on a, justement. Alors... D'accord, un sweatshirt. Ah hum, C'est pas horrible, c'est pas affreux, mais pas pour achat, ça c'est sûr. Ce t-shirt, euh, hum, je pense que ça lui irait pas non plus. Enfin, elle aime bien la cuisine, mais quand même, euh, non, ça ne le mettra pas non plus. C'est pas incroyable hein, pour l'instant. Ah là là, ça j'aime bien. Ça j'aime bien. Ça, on va lui mettre, c'est sûr. Sans on part sur du noir, sur le jaune, j'aime bien aussi. Mais bon, en général, en cuisine, la règle, c'est d'avoir quand même. C'est quand même mieux d'avoir un truc foncé. Hein. Je dis ça, je dis rien. Euh, attendez, parce que j'ai pas tout vu. Là, on a un tablier également. Il est sympa, ce petit tablier, comme ça, là. C'est un peu plus décontracté. Je pense qu'on va partir sur ça. Parce que, ben, Achat, elle travaille toute seule, elle travaille pour elle. Enfin, forcément, elle va pas empoisonner ses clients, mais. C'est un peu plus décontracté que s'il était dans une cuisine professionnelle, on va dire, avec une équipe, tout ça. Donc écoute, on va partir sur le jaune, il me plaît bien. Et au niveau des pantalons, est-ce qu'on a des pantalons adaptés Ah, on n'en a qu'un. Bon, on va prendre le noir, très bien. Et en chaussures, normalement, de ce que j'ai compris, on a des crocs. Ça, c'est pas mal. Moi, je vous avoue que pendant un long moment, je suis allée travailler en cuisine en crocs. Bon, maintenant, je me suis acheté des chaussures un petit peu mieux. Après, le problème, c'est que... Enfin, moi, j'en ai eu euh, l'expérience. C'est qu'avec des crocs, ben, c'est pas idéal. Parce que, imaginons... Enfin, c'est idéal, oui et non. Parce que si vous avez une casserole de sauce bouillante qui se renverse sur vous, ce qui est pratique, c'est que vous pouvez vite enlever les, les crocs pour éviter la brûlure. Même si en général c'est trop tard. Mais le désavantage aussi, c'est que ça protège moins. Enfin bref, je dis ça, je dis rien. Là, c'est euh, la chef en moi qui parle. Mais bon, on va partir sur cette petite tenue, ça me plaît pas mal, elle a les cheveux attachés. Attendez, il y avait également euh, une salopette, j'ai vu. Ah oui, on a ça, bah ça j'aime bien. En plus, ça c'est grave son style. Euh, oui, pas dans les couleurs comme ça. Mais ça, ça pourrait être grave son style, je la vois bien porter ça, vous voyez. Euh, Peut-être comme ça. Ou comme ça, ça lui va bien. C'est joli comme tout ça. On va partir sur ça également. Oula On a en mode taché, j'aime bien. Je pense qu'on va partir sur celui-là. Je vais lui enlever les chaussures quand même parce que... Voilà, si elle travaille... Bon, comme ça, on a quelques tenues pour travailler. Et puis voilà, on est prête. Enfin, on a deux tenues pour travailler du coup, mais pour l'instant, ça fera l'affaire. Allez, on va passer en jeu. Donc, premièrement, il faut qu'on nettoie la cuisine. C'est le plus important. Donc, vous voyez, j'aurais bien aimé que... Ah, mais ça, on peut les boire Mais il y en a vraiment dedans Mettre dans l'inventaire. Je ne sais pas si on peut les boire. Hein. Qu'est-ce que ça fait là? Je pense que c'est pas vraiment jouable. On va les mettre dans l'inventaire histoire de les ranger. Là on a ça aussi. On ne peut pas les mettre dans l'inventaire. On va nettoyer ça. Ça, pareil, on va, euh, on va jeter peut-être. Je sais pas trop ce qu'on va en faire. Mais voilà, première chose qu'elle fait en arrivant, forcément, c'est nettoyer la cuisine, parce que sinon, elle ne peut pas travailler. Également, on va nettoyer ça. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pour l'instant, je pense qu'on ne peut rien prendre d'autre. Très bien. Elle fait sa petite vaisselle. J'ai trop hâte de commencer, vraiment, j'ai trop trop hâte. Ok. On nettoie. Très bien. Donc là, on va passer forcément en mode construction parce qu'elle ne peut pas tout faire d'elle-même. Mais on va dire qu'elle a enlevé ça. Elle a jeté les bouteilles ici. Voilà. Forcément, elle a enlevé les toits d'araignée. Et pour l'instant, c'est déjà pas mal. Je pense également qu'elle va bouger les caisses pour le moment ici. Voilà. Et du coup, bah, c'est déjà beaucoup mieux du coup pour travailler. Ce tapis-là, on l'aime pas forcément, donc je pense qu'on va le vendre. Voilà, on récupère entre guillemets de l'argent. À l'extérieur, ici, on a des caisses et dans ces caisses-là, je me suis imaginé qu'on avait tout simplement reçu bah, nos appareils de cuisine. Donc, j'aimerais bien qu'elle déballe ça. Encore une fois, on est obligé de le faire nous-mêmes parce qu'il n'y a pas d'interaction dans le jeu, mais j'aimerais bien qu'on puisse sortir du coup le four et tout ça, tout ça. Donc là, on a le four à pizza. Oh là là, c'est trop bien. J'espère qu'on aura la place de tout avoir dans cette cuisine. Ensuite, il nous faut une balance, forcément. Est-ce qu'on va avoir la place de tout mettre Franchement, j'ai peur. Ok. Ensuite, il nous faut un robot pâtissier. Bon, pour l'instant, on a pas mal d'argent, mais il va falloir quand même faire attention parce qu'il va falloir aussi acheter des ingrédients, je suppose. Bon, c'est pas la priorité. Ah oui, il faut le stand aussi. 585 simflouz. Ok. Il est mignon quand même. Hein. Ah, il y a plusieurs designs. Alors nous on va faire un peu de tout. Euh, pff, je sais pas. Je sais pas. Je sais... On va prendre ça. C'est neutre quand même. Euh, on est obligé de le placer déjà dehors. Bon, pour l'instant, euh, j'ai pas la place. Pour l'instant, on va le mettre là. On va pouvoir enlever les cartons du coup parce que on a déballé nos affaires. Oh les frigos, ils sont trop beaux. Bon, ça je pense que ça sera pour plus tard hein, qu'on change les frigos, les meubles et tout. Ça, c'est trop bien, mais c'est trop réaliste. Trop trop bien, j'aime trop. Oh, j'adore. <laughs> j'ai oublié, j'ai failli oublier le gaufrier, mais oui, j'ai déjà plus de place. Euh, ma cuisine n'est pas assez grande, apparemment. Ah oui, un hein, lave-vaisselle, c'est vrai que ça serait quand même l'idéal. Euh, pour l'instant, je mets un peu tout n'importe où. J'essaye de sortir euh, tout ce dont j'ai envie de mettre et après, on placera. Un. Ok, donc pour l'instant, ça me paraît déjà pas mal. Je pense qu'on a les bonnes bases. C'est quoi ça D'accord, pour faire la pâtisserie, on a des nouvelles assiettes aussi. C'est chouette, ça fait de la déco, très bien. Alors maintenant, il va falloir qu'on essaye de agencer cette cuisine. Déjà, je me dis que le lave-vaisselle, il devrait être là, près de l'évier déjà. Ça, j'adore, ça peut rester là. Ça, au final, je vais peut-être le vendre. Les épices, il faut que ça soit à côté ici, forcément. Euh, ma petite plante, je t'aime bien, mais je ne sais pas si je vais avoir la place de te garder dans la cuisine. Hein. Je pensais pas que ça allait être short niveau place là. Donc là, on a au moins un plan de travail pour travailler. J'espère que ça sera suffisant. Et on va pouvoir commencer, je pense. Donc bon, elle a fait tout ça. Je pense que clairement, ça lui a pris beaucoup plus de temps. Là, il est 17h55. Donc, je vais avancer le temps parce que clairement, ça a dû lui prendre beaucoup plus de temps. Bon, voilà, il est 19h30. Je me suis dit qu'elle aurait pris à peu près 2h30 pour faire tout ça. Et pour aujourd'hui, pour la première journée, je pense que c'est suffisant. Donc, elle va monter par ce petit escalier de service dans sa maison. Pour pouvoir bah, tout simplement prendre une douche, déjà ça serait pas mal. Et bah un petit peu aussi bouger ses valises, les ouvrir, tout ça. Oh mon dieu, il y a des toiles d'araignée aussi dans sa chambre. Oh non mon dieu l'horreur, la taille de l'araignée, quelle horreur. Oh non, je peux pas. Il va falloir nettoyer ça. Oh mon dieu, ça me donne des frissons, je peux pas. Oh J'ai la chair de poule, rien que de voir ça. Ok, très bien. Elle prend sa petite douche. Par contre, mets-toi en pyjama déjà, hein. Là, tu vas plus sortir, tu vas plus rien faire. Enfin, quoi que ce serait bien qu'elle nettoie quand même un petit peu aussi les toiles d'araignée au moins. Parce que moi, je ne dors pas dans une maison avec des toiles d'araignée. Hein. Oh en plus, ça bouge et tout. Non, non, non. Allez, on enlève les toiles d'araignée. Je pense que c'est le minimum. Si tu as des toiles d'araignée comme ça dans ton appart, tu les enlèves. Après, il faudra ranger, il faudra enlever le papier peint. Enfin, quoi que le papier, on peut l'enlever. C'est facile, tu mets la poubelle. Pour l'instant, ça, on va le laisser. Par contre, elle n'a pas faim. Mais ça serait bien, enfin j'aurais bien aimé qu'elle cuisine quelque chose quand même. Mais j'aimerais bien que tu commences un petit peu à pratiquer ta compétence. D'ailleurs apparemment maintenant on peut faire de la pâtisserie, on peut faire des cupcakes et tout dans, dans ce four apparemment, ça c'est top. Bon on n'a pas la compétence je suppose. On va servir le dîner. Alors elle a une compétence nulle, alors elle adore cuisiner mais elle est nulle. <laughs> Donc on va commencer par une petite salade, écoute on va commencer doucement. Ah non mais par contre ça ça va pas le faire, pourquoi tu cuisines pas dans ta cuisine Oh non 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 non. Oh non 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 ça ça va pas le faire du tout du tout. Elle va cuisiner en bas. Elle est sortie en petite culotte. Oh non 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 y a rien qui va y a rien qui va. Voilà elle est heureuse ça y est j'adore la cuisine bah oui on l'avait compris achat. Chaque... mais était nulle à cuisiner je suis désolée hein, mais voilà ah, ça commence ça commence. <laughs> elle est pas douée je vous jure. Elle va perdre un doigt hein, moi je vous le dis hein. Bon je pense qu'elle avait hâte de cuisiner dans cette cuisine mais bon j'espère qu'elle va pas faire ça à chaque fois. Hein. Ok, prends ton plat et remonte maintenant chez toi. Viens t'asseoir ici, s'il te plaît. Et comme ça, tu vas pouvoir te poser devant la télé, quand même, la base. Bon, notre télé fait un peu pitchée, mais bon, c'est mieux que rien. Hein <laughs> Écoutez, je pense que ça sera vraiment le dernier achat qu'on fera, la télé. <laughs> mais bon, regardez-là, elle est contente. Vraiment, elle est heureuse. Il n'y a personne. Il était toute seule, t'inquiète pas. Bon Acha, je pense que tu peux aller te coucher, hein, parce que il est tôt. Fais une vaisselle et va te coucher. Enfin, il est tôt, il est tard justement. Et demain on va se lever tôt. Arrête de regarder la télé et regarde le foot. T'aimes bien le foot Pourquoi pas Non, me dites pas non, 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 non. Ne va pas faire la vaisselle. Elle va faire la vaisselle en bas. Elle va pas faire ça à chaque fois. Elle allait aller où la vaisselle Non. Ça, ça va. On va pas être amis si tu fais ça, Achat. On va vraiment pas s'entendre toi et moi. On va mettre les éclairages automatiques, au moins dans cette pièce. J'aime pas trop utiliser l'éclairage automatique, mais j'essaye de, de m'y mettre. On va faire ça aussi dans les pièces ici qui servent à rien. Ah oui, c'est la Saint-Valentin. Euh, comment vous dire qu'on vient d'arriver ici, on connaît personne et elle a mal dormi, oui. C'est vrai que ça serait peut-être bien qu'on lui achète un nouveau lit. Mais pas de suite. Donc là, il est 8h. Euh, franchement, elle s'est levée tard quand même pour une chef. <laughs> non, bon, 8h, ça va, c'est raisonnable. Elle a faim, mais euh, j'ai peur qu'elle va redescendre en bas, manger bon, sa salade là. Vous allez voir qu'elle va redescendre en bas. Hein. Je vais l'habiller. On va changer la tenue. Du coup, on va se mettre en tenue de travail. Hop Trop bien, j'ai hâte Bon, elle est déjà moins contente, déjà. Ça fait même pas 24 heures qu'elle est là. Elle tire déjà la tronche. Écoute, on t'achètera un nouveau lit euh, dès que possible. Je sais même pas combien on a d'argent encore. Il nous reste 4000 simflouz. Mais bon, si on prend un lit, euh, ça va vite partir. Hein. Je sais pas si c'est la priorité. Elle emmène bien sûr son assiette en bas. Mais bon, c'est pas grave parce qu'on allait venir travailler. Du coup, je me demande comment ça marche. Parce que. Imaginons que. Attendez, je replace mon appareil à gaufre là. Imaginons que je vais faire une gaufre. Comment ça se passe D'accord, je peux faire des gaufres déjà. J'ai pas besoin d'ingrédients. Les gaufres en forme de cœur. Et du coup, je suppose que si j'ai des ingrédients, ça me reviendra moins cher. Donc là, il faut de la pâte liquide. Donc je suppose que la pâte liquide, on le fait avec ça. Très bien. 45 simflouz. Ah ouais hum, Écoutez, on va tester ça. Je sais pas trop à quoi m'attendre. On va tester. Ah oh non, ça commence, ça commence. Bah oui, hein, si tu fermes pas bien, on atteint le niveau 2 de la compétence cuisine. Très bien. Il y a quelqu'un d'autre Ah Bonjour. On n'est pas ouvert, hein. on est loin d'être prêt. Prête D'accord, et on attend. Du coup, on va peut-être pouvoir commander quand même des ingrédients frais, ça serait quand même pas mal, on va faire ça. Au moins des trucs de base. Par exemple, de l'ananas, ça peut être bien pour faire des recettes. Les bananes aussi. Du lait, je pense qu'il en faut pas mal pour faire la pâte. Attends, calme-toi, cocoque, ça, ça revient cher. Champignons pour les pizzas. Farine, on va en prendre aussi. Ça y est, je, je me lâche là. On prend des petits fruits par-ci par-là. Ah ben j'ai déjà plus assez d'argent. Tu voyez je savais que je m'étais enflammé là. Bon, voilà, on va partir sur ça. C'est déjà pas mal. J'ai des œufs, de la farine, du lait. Normalement, ça devrait être suffisant. Récupérer les ingrédients préparés. Ok, on a 5 pâtes de qualité médiocre. Ah ben super. Très bien. Et maintenant, on va pouvoir faire des gaufres à la citrouille et aux épices. Franchement, je sais pas. Gaufre nature, c'est zéro. On va commencer par ça. Ça a l'air plus facile déjà. Voyons voir. Ok, elle met la pâte. Très bien. Mais du coup, la pâte, elle est médiocre. Donc, nos gaufres elles vont être médiocres, c'est sûr. Pendant combien de temps tu vas être mal à l'aise là 55 minutes encore Ah, c'est prêt Ok. Elles sont, elles sont médiocres, forcément, forcément. Et une fois qu'elles sont faites, on peut juste les mettre dans l'inventaire. Euh, D'accord. On va les garder dans... On va le mettre dans le frigo pour l'instant. Hein. Oh, je suis dégoûtée. Je voulais qu'on ait des bons trucs. Ah, il y a quelqu'un ici. On va accepter la livraison. Bonjour monsieur. Ah, vous aussi, vous êtes de mauvaise humeur. Ça tombe bien. Nous non plus, on n'est pas de très bonne humeur. <laughs> ok, on va pouvoir vider le sac de livraison. Et du coup, enfin, du coup, franchement, ça m'embête cette pâte liquide. On va peut-être recommencer. Non. On n'a plus assez d'argent. Ah, attendez, il faut que je transfère de l'argent. C'est vrai, c'est vrai. On va peut-être réessayer une pâte liquide. Mais en fait, elle est mal à l'aise. Donc, je pense que tant qu'elle sera mal à l'aise, on ne pourra pas faire grand-chose. Malheureusement. Ça va bientôt partir là. Dans 7 minutes. Très bien. Ok, c'est parti. Elle est de nouveau heureuse. On va réessayer de faire une pâte liquide. S'il vous plaît, de bonne qualité. Allez, on y croit. Mais du coup, on peut faire autre chose. On est obligé de rester devant. On peut faire autre chose. Et pour les pizzas, comment ça se passe On peut faire des focaccia. Trop bien. Des sphinxion. Je ne sais pas ce que c'est. Pizza étrange. Mais trop bien. Trop bien. Trop bien. Il faut de la pâte pétrie. Euh, attendez. Je ne sais pas par où commencer. Il y a trop de trucs ici. Le petit livre là. On peut faire pas mal de trucs avec le petit livre. C'est pas mal. Et ben, par contre, il est déjà presque midi. J'aimerais vraiment tester un petit peu ce, ce stand là. Récupère. Pâte, j'espère qu'elle sera de meilleure qualité. S'il te plaît, elle a l'air de meilleure qualité. À hein. la plus belle gueule, ok. Normal, c'est mieux que rien. On va faire des gaufres à la citrouille et aux épices. Allez, ça me paraît pas mal. Et après, on va faire celle au B. Très bien, ça nous coûte 0 simflouze parce qu'on a tous les ingrédients. Ça, ça fait plaisir. Ah, d'accord, oui, oui, c'est bon. Calme-toi, calme-toi. D'ailleurs, je me demande si une fois que ça sonne, si on n'est pas devant, est-ce que ça brûle Est-ce que vous pensez que ça brûle Est-ce qu'on teste ou pas Non, je sais pas, pas de suite. Mais regardez, là, ça va faire tink! Voilà. Récupère tes gaufres. Ah, ça bug. Super. On peut pas récupérer les gaufres? Oh non. Très bien. Ça bug. Il y a un bug. Je ne peux pas récupérer mes gaufres. Si je les mets ici, je ne peux pas récupérer mes gaufres. C'est une blague. Alors, je peux mettre le truc dans mon inventaire, mais je ne peux pas récupérer les gaufres. Ça commence bien cet épisode, hein? On va faire une pizza. Écoutez, on va tester la pizza. J'espère que ça va marcher. Pourquoi mes gaufres ne marchent pas Je suis triste là un peu. Oula, là, ça a l'air compliqué. Hein. allez y Par contre, la pizza elle a l'air d'être vide une fois dans le four. Par contre, à chaque fois, il faut attendre devant c'est un petit peu long. Ce que je vais faire, c'est que je vais réessayer d'acheter un gaufrier. Je ne comprends pas. J'essaye de comprendre pourquoi ça ne marche pas. Écoute, on va réussir de faire des gaufres. Euh, mais attends, fais pas tout en même temps, hein. J'ai peur que tu fasses cramer des trucs là. Ok. On peut récupérer la pizza ou pas Apparemment oui. bah oh. ben, voilà. Ok. Ça, ça marche. On va voir si les gaufres ça marche ou pas. Du coup, on peut faire aussi une pâte pétrie pour du coup les pizzas. Alors là, ça va marcher ou pas alors là elle peut récupérer les gaufres, je comprends rien. C'est peut-être les gaufres à la citrouille hein, qui font que ça ne marche pas. On va réessayer les gaufres à la citrouille juste pour voir. Ça serait pas très logique. Euh, pendant que j'y pense, je vais mettre mes pâtes euh, au frigo quand même. On récupère la petite pâte. J'aime trop, j'aime trop. En fait, vous pouvez faire plein de trucs en même temps en fait. Parce que vous n'êtes pas obligé d'attendre à chaque fois. On essaie de refaire une pizza si on a le temps. Parce qu'il y a ça qui va être prêt dans deux minutes. Dépêche-toi. Oh là là. Vous voyez là je pense que j'ai peur que ça crame. Pour l'instant, ça va. Ah, ben là, ça marche, les gaufres. Ben, je comprends pas pourquoi lui, il a bugué. Hein. Ressaye de récupérer les gaufres ici Non, il veut pas. Bon, on commence à avoir pas mal de trucs. On va peut-être essayer de mettre en vente parce que là, il est déjà 14 heures. On va juste récupérer la pizza. Du coup, on a deux gaufres et deux pizzas. C'est un bon début quand même. D'ailleurs, avec tout ça, lave-toi les mains parce que c'est vrai que tu dois avoir les mains sales déjà. Par contre, nos gaufres à la citrouille sont médiocres. Et sinon, le reste, c'est normal. Bon, c'est pas foufou, mais voilà. Récupère ta pizza. J'aime trop ces tatouages à achat. J'aime trop. Ils sont trop trop beaux. Ça lui va trop bien. Yes. Ok. Maintenant, c'est le moment décisif, le moment que j'attends. Ah oui, d'ailleurs, apparemment, on peut ici placer un appareil. Du coup, je me dis, est-ce que si on place. Oh On peut placer la pizza et on peut passer le gaufrier. Donc, on peut cuisiner en même temps. Mais ça, c'est génial. On va mettre dans l'inventaire du coup nos trucs, même ce qui est médiocre. Écoutez, euh... enfin peut-être pas en fait. Commencer une vente de nourriture. Ok. Il manque une pizza. Tu peux pas mettre plus que ça On peut augmenter les prix Attends, ma cocotte. On va peut-être pas augmenter les prix de suite. Je pense qu'il faut donner un nom. J'ai pas pensé à un nom là. Je sais pas. J'ai pas de nom. Dites-moi un nom en commentaire. <laughs> Mais il n'y a personne qui vient. C'est peut-être parce qu'on est sur un terrain. Ah J'ai rien dit, il y a quelqu'un qui vient. Bonjour monsieur, bienvenue chez H. J'ai pas de nom encore. Est-ce qu'on peut essayer de lui vendre quelque chose ou pas Présentation convaincre d'acheter. Allez acheter notre pizza Marinara, regardez. Regardez comme elle a l'air bonne. Qu'est-ce que vous faites, monsieur Regardez, elle a l'air succulente, ma pizza. Comment ça, non c'est pas gentil. S'il te plaît, on va se présenter Viens acheter nos, nos gaufres Regarde, elles sont bonnes Allez, c'est pas cher en plus, pas cher, pas cher Je m'éclate déjà Oh, mais toi t'es trop stylé On va se présenter à toi Bon, t'as pas l'air de bonne humeur Mais on va se présenter, t'es trop stylé On a besoin d'amis ici bon, pour... Oh, elle a acheté nos gaufres, trop bien Ben voilà, ça marche un petit peu hein. Par contre, je pense qu'il faut refaire euh, Tu vas refaire des gaufres Nature, et tu vas refaire une pizza aussi. Enfin, quoi qu'on a encore une pizza qu'on n'arrive pas à vendre. Ah, mais elle a pris qu'une portion. Ah, d'accord. Elle a pris qu'une portion. Très bien. Oups, oups, ma pizza, ma pizza. Oh, elle, elle a acheté ma pizza. Je crois qu'elle a acheté ma pizza. Trop bien. Elle nous a lancé des confettis. Je sais pas pourquoi. Pourquoi tu nous as lancé des confettis Oula Mais c'est trop bien. Ils mangent tous, regardez. Par contre, notre pizza, elle est partie d'un coup. Je sais pas c'est qui qui l'a pris, notre pizza. Ah mince, je l'ai re le nom. Attendez, comment je fais pour remettre. Je comprends pas comment je fais pour mettre mes trucs sur la table. Je sais pas, ils se mettent pas sur la table, ça m'embête. Bon, tant pis, hein. Récupère tes gaufres juste. Euh, comment ça, on peut lui dire je t'aime, on va se calmer. Tiens, on peut lui offrir un cadeau pour la Saint-Valentin, pourquoi pas Tiens, des jus pétillants. <laughs> On est en train de draguer nos clients, quoi, oh, clairement. Alors ça Ma te blanche. plaît <laughs> J'adore vraiment les moments qu'on passe ensemble. Euh, on, vient juste de, on vient juste de se rencontrer, hein, madame. Bon, euh, du coup, je peux plus rien faire là. Attendez. Est-ce que si j'arrête la vente, comment je peux faire pour mettre mes pizzas sur le truc ici Je ne comprends pas, en fait. Ah, vente de nourriture terminée. Douze simflouz. Ah ouais, c'est pas beaucoup, hein. C'est vraiment pas beaucoup. Du coup, si je recommence une vente, est-ce que mes pizzas vont se mettre Oui. Franchement, je comprends rien. Et pourquoi mes gaufres ne se mettent pas Je comprends pas trop comment ça marche. Bon, on va essayer avec les pizzas. On va voir si on arrive à en vendre. Hein. Regardez, on a du monde, mais c'est trop bien. On a une star en plus. 4 simflouz, Oui. Alors, monsieur, ça vous plaît Ça a l'air de lui plaire. Ça a l'air de lui plaire. Très bien, très bien. Venez. Oh on a, ah oui on a des paparazzi, ça y est on est connus euh, Stanislas vient manger à notre stand, il nous fait de la pub, c'est trop bien ça. <laughs> J'adore. Est-ce qu'elle va les placer Oui elle les a placés. Non elle les a pas placés, purée, je comprends rien. C'est gênant, ils ne pouvaient pas les manger plus loin. Notre pizza est prête, on récupère. Ah non on peut servir, c'est ça qu'il faut que je fasse en fait. Mince, je dois peut-être faire servir le repas en fait. Attendez, on va réessayer. S'il te plaît, fais une gaufre. On va réessayer. Ça a l'air de leur plaire en plus. C'est plutôt cool, hein. Mais je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde, c'est génial. Ok, là si je fais servir les gaufres, est-ce qu'elle va les mettre là ou pas Telle est là, ma question. Alors Non. Elle euh, les par terre, non. Euh, très bien, ça ne sert à rien. Mais bon, regardez, ça se vend quand même pas mal. Donc, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Mince, on a besoin d'aller aux toilettes. Tiens un petit peu le coup. Allez, encore un petit peu. Ah, elle est contente. Clientèle satisfaite, vend un repas d'excellente qualité. Eh bien, nickel. D'ailleurs, pour notre aspiration, il faut qu'on fasse une vente de nourriture sur un terrain résidentiel. Très bien. Et il faut vendre 5 pizzas ou gaufres excellentes pendant une vente de nourriture. Donc, pour l'instant, on n'en a fait qu'une. Bon, je crois qu'il va falloir qu'on arrête la vente parce qu'on a vraiment besoin d'aller aux toilettes. Hein. Allez, je suis désolée, madame, messieurs. La vente est terminée. Désolée. 61 simflouz, Ninja. ah ouais là on a graffé plus d'argent là, ça s'est bien passé quand même, je suis trop contente, donc je pense que nous allons manger, à ah, quoi que celle-là elle est pas encore entamée, on va commencer cette pizza qu'on va plus pouvoir vendre du coup parce qu'elle est déjà euh, entamée, du coup viens manger cette petite pizza, sinon ça va finir à la poubelle, hein. c'est dommage mais bon. On ne peut pas représenter ça demain, ça craint. Et écoutez, nous, c'est sur ce qu'on va se laisser pour ce premier épisode. On a déjà découvert pas mal de choses. Je suis vraiment contente parce qu'il y a un petit côté gestion. On fait la pâte, puis après, on va faire la pizza. Puis après, pendant que la pizza est cuite, on peut commencer les gaufres. On récupère la pizza, puis après, il faut récupérer la gaufre. Enfin, vraiment, j'aime bien. Donc, je suis assez contente. Le seul X c'est que je pense que ma cuisine est trop petite. Donc, il va falloir agrandir la cuisine. Voilà. Il faut que je découvre aussi comment on peut rajouter de la nourriture sur le stand une fois qu'on a commencé. La vente, voilà. Pour l'instant, je ne sais pas encore. J'espère que cette première vidéo vous aura plu. Moi, je me suis éclatée. Comme d'habitude, avant de partir, je vous invite à laisser un énorme pouce bleu, un petit commentaire, et je vous invite également à vous abonner. C'est pas déjà fait, ça m'aiderait beaucoup. Merci. Si jamais vous êtes arrivé jusque là, je vous laisse mettre un petit emoji pizza en commentaire. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, bye